La rage tue près de 59 000 personnes par an. La journée du 28 septembre est retenue par l'OMS pour sensibiliser contre sa propagation. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Première session extraordinaire de la Chambre d'industrie et du commerce du Bénin. Les élus consulaires ont examiné plusieurs dossiers relatifs au bon fonctionnement de l'institution. Vous aurez les précisions dans ce journal. Les députés du groupe parlementaire Bloc républicain fustigent tout acte préparatoire de coup d'État. Ils l'ont fait savoir à la faveur d'une déclaration de presse. Suivez dans cette édition l'intégralité de la déclaration lue par Abdul Malik Seibou Gomila. Et puis, sixième session de l'Assemblée générale de l'Association béninoise des communes frontalières, les opportunités qu'offrent les espaces frontaliers du Bénin aux différentes communes riveraines étaient au cœur des travaux qui ont duré 48 heures. Les détails à suivre. À nouveau, bonjour. Dans la matinée de ce vendredi, les élus de la Chambre d'industrie et du commerce du Bénin étaient en première session extraordinaire. C'est un cadre d'études des dossiers relatifs au bon fonctionnement et au développement de l'institution. Le compte rendu est signé Florence Bossa. Les élus de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin sont en session extraordinaire. Ils échangent principalement sur la création d'une société détenue à 100% par la CCI Bénin pour générer les ressources supplémentaires tout en remplissant des fonctions des services aux entreprises. Au titre des fonctions support figure le fonds d'appui catalytique et de solidarité que nous devons doter d'un statut juridique pour être une société d'investissement. Cette société, détenue à 100% par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, aura pour attribution de faire toutes les diligences nécessaires en amont pour capaciter les entreprises éligibles à un financement afin de permettre à la Caisse de dépôt et de consignation du Bénin d'être confortable pour jouer son rôle de fiduciaire. Les services de location des biens mobiliers et immobiliers de la Chambre. Le mandat de ces élus consulaires prend fin en 2025. Pendant cette mandature, les travaux se sont déroulés dans un esprit de co-construction selon le président de l'institution. À cette session extraordinaire, les élus consulaires ont saisi l'occasion pour prodiguer des conseils aux candidats à la prochaine mandature. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que pour être élu consulaire, il faut d'abord savoir que c'est de l'engagement. On ne peut pas être élu consulaire si on n'est pas engagé à la cause de l'entrepreneuriat. C'est du bénévolat également, parce que nous sommes élus consulaires pour impacter, mener des actions dans la vision, dans les orientations données par le gouvernement pour impacter le secteur privé. Actuellement, les entreprises béninoises sont certifiées. Les produits locaux sont certifiés également. Nous n'avions pas cette culture de la certification de nos entreprises au nom ISO, ce qui a été effectif. J'avoue que l'initiative que le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a pris pour faire des réformes au niveau de notre Chambre du commerce et de l'industrie du Bénin a donné plus d'éclaircissement, plus de visibilité à notre pays et à tous les opérateurs économiques que nous sommes. La mise en œuvre du patrimoine immobilier de la Chambre par la construction du centre d'affaires sur les domaines de l'institution est également l'un des sujets en débat à cette session. Nous ouvrons la page politique de cette édition. Le parti de la majorité présidentielle dénonce les agissements de tentatives de coup d'État évoquées dans le point de presse du procureur spécial de la CRIET cette semaine. Le Bloc républicain condamnant avec fermeté toute ambition de prise de pouvoir par les armes a réaffirmé sa position sur le sujet ce vendredi après le communiqué bien sûr rendu public 24 heures plus tôt. C'était à la faveur d'une session extraordinaire du bureau exécutif national à Cotonou. Voici le compte rendu.
Le communiqué final de cette session extraordinaire du bureau exécutif entérine la posture du Bloc républicain au sujet des actes préparatoires de coup d'État. Le message signé du vice-président à la communication, Romaric Ogualé, accentue la fermeté du ton au BR. C'est une réprobation claire et stricte à la symphonie des valeurs prônées par la formation politique. À l'issue de la séance présidée par le premier responsable en personne, le président Abdoulaye Biotchane, le parti réaffirme son attachement indéfectible à l'ordre démocratique, au fondement des institutions républicaines et aux réformes salvatrices engagées depuis 2016. Nous sommes appelés à défendre notre démocratie, à soutenir notre président de la République, le président Patrice Atalante Guillaume Talon, et à soutenir également le peuple béninois. Donc, on nous a armés pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse jouer sa partition pour décourager cette situation que nous traversons actuellement dans notre pays. Parce que quand on parle de coup d'État, ce n'est pas une affaire du président de la République, c'est une affaire du peuple béninois. L'un des 8 points du communiqué martèle le soutien total et sans équivoque du parti du cheval blanc cabré au chef de l'État, promettant un plein engagement à poursuivre les actions en faveur de la paix et la stabilité. Comme le bureau exécutif national, les femmes républicaines sont elles aussi aux côtés du président de la République en ces circonstances. Soyez rassurés de notre soutien indéfectible et de mon soutien personnel dans l'épreuve que vous traversez. Depuis 8 ans, vous vous attelez à traduire en actions concrètes les promesses faites aux femmes béninoises et nous sommes fiers de ce parcours avec vous. Aucune ambition politique ne doit remettre en cause le processus démocratique entamé par notre pays depuis 1990. Je vous adresse, Monsieur le Président, au nom des femmes républicaines, nos vœux pour le succès du droit dans cette nouvelle bataille pour la démocratie. Le Bloc républicain a rendu également un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité pour leur fidélité et leur loyauté depuis la conférence nationale. Le parti appelle le peuple béninois à la vigilance et à l'union. Je l'annonçais en titre, le groupe parlementaire Bloc républicain épouse la position du bureau exécutif national du parti en fustigeant les actes préparatoires de coup d'État cités par la justice. Il s'associe davantage au président Patrice Talon et aux institutions constitutionnelles. Voici l'intégralité de la déclaration que les députés ont délivrée hier vendredi, toujours au siège du parti à Cotonou. Elle est lue par le député Abdoul Malik Seibou Gomina. Le groupe parlementaire Bloc républicain a appris avec stupéfaction et horreur à travers la dernière déclaration à la presse du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et terroristes la funeste tentative de remise en cause du processus démocratique par des personnes appartenant au cercle du pouvoir exécutif. Fort heureusement, l'armée béninoise a encore apporté la preuve qu'elle est républicaine et a permis de déjouer ce complot ourdi contre la marche de notre pays vers le progrès. Le groupe parlementaire Bloc républicain condamne avec fermeté cette tentative de coup d'État qui aurait pu conduire notre pays et son peuple dans l'abîme. Le groupe parlementaire Bloc républicain réaffirme son opposition à toute remise en cause de l'ordre constitutionnel et réitère par la même occasion son soutien indéfectible et sans faille au chef de l'État, aux institutions de la République, au président Patrice Athanase Guillaume Talon, chef de la mouvance présidentielle. Le groupe parlementaire Bloc républicain invite le peuple béninois à continuer par faire confiance aux institutions de la République et à vaquer à ses occupations traditionnelles. Je vous remercie.
Pluie de réactions dans la classe politique béninoise depuis la révélation par la justice de cette tentative de coup d'État manquée. Les députés de la 8e législature, à la faveur d'un point de presse toujours dans la soirée de ce vendredi, ont exprimé leur soutien au président de la République et lui ont réitéré leur engagement au maintien de l'état de droit au Bénin. Suivez ici la substance de leur réaction. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre 2024, l'efficacité de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que la bienveillance de Dieu et des mânes de nos ancêtres, ont permis à notre pays d'éviter ce qui aurait pu être la première atteinte à sa sûreté sous l'ère de la démocratie. En effet, selon la déclaration du procureur spécial Prélacriette, des individus se préparaient à remettre en cause l'ordre constitutionnel ce vendredi 27 septembre 2024. Une information que nous avons apprise avec stupeur, consternation et incompréhension. Notre pays a fait des pas dans le renforcement de ses institutions et l'instauration de l'état de droit, sans cesse conforté par diverses élections et une alternance démocratique avérée au sommet de l'État. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, cet engagement irréversible et déterminé a continué son chemin, porté par le patriotisme de notre peuple, le dialogue étant l'indéniable outil de cohésion sociale que nous a toujours imposé l'esprit de la dite conférence nationale. C'est pourquoi cette information a suscité l'émoi et l'indignation du peuple béninois tout entier. Nous, députés de la 8e législature, acteurs des récentes réformes du renforcement de notre système démocratique, saisissons cette occasion pour dénoncer et condamner avec la dernière vigueur toute tentative de prise de pouvoir par la force. Une démarche qui s'inscrit fermement dans la droite ligne de nos partis respectifs, à savoir l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain, qui ont promptement réagi contre cette insoutenable tentative de déstabilisation. Nous exprimons notre totale solidarité au président Patrice Talon et notre entière confiance en la justice pour faire la lumière sur ce drame que nous avons évité de peu. Nous appelons les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, et tout le peuple béninois à un sursaut patriotique pour protéger et défendre ces institutions, dont la plus importante est la magistrature suprême incarnée par le président Patrice Talon, contre toute tentative ignoble et inopportune. Vive la démocratie, vive le Bénin. Merci. Tout autre élément dans cette édition, la communauté internationale a célébré hier, 27 septembre 2024, comme chaque année d'ailleurs, la Journée mondiale du tourisme. L'objectif de cette journée est de faire prendre davantage conscience à la communauté internationale de l'importance du tourisme et de sa valeur sociale, culturelle, politique et économique. L'Organisation mondiale du tourisme a choisi le thème Tourisme et paix pour la Journée mondiale du tourisme de cette année. Ceci dans le but de souligner le rôle vital que joue ce secteur dans la promotion de la paix et de la compréhension entre les nations et les cultures et dans le soutien au processus de réconciliation. Olamma Ojukwu, consultante en tourisme et promotrice d'une agence de voyage, s'est prononcée sur la thématique. Elle est au micro de Maëlle Leroux-Belou et Rachidi Soubérou. Ce thème représente vraiment tout pour nous qui sommes dans le tourisme parce que nous savons si vous ne maîtrisez pas quelque chose ou quelqu'un, vous allez toujours avoir peur de la personne. Vous allez toujours vous retrouver en train de discuter parce qu'il n'y aura jamais l'attente. Mais quand il y a le tourisme, vous allez avoir l'occasion de vous fréquenter, de vous découvrir. Et cela, bien sûr, crée de la paix. Ça donne le plateforme pour la paix. Et si nous pouvons, dans tout le monde entier, nous retrouver en train de cautionner cela, vous imaginez cela,
c'est que cela va être pour le monde entier. C'est-à-dire avoir la paix, avoir pratiquement tout le monde en train de se comprendre. Il n'y aura plus ce que nous attendons à droite et à gauche là. Voilà. Donc, ça représente beaucoup de choses.
Cotonou. Celui-ci le transmet à son tour au directeur de la radio. Cette action n'est rien d'autre que l'expression des liens étroits d'amitié entre la Chine et la ville de Cotonou. Nous sommes en droit de nous poser la question de savoir quelles sont les origines et la signification de ce geste. Ma réponse est simple. C'est le résultat à voir la concrétisation d'une réelle politique d'amitié de la Chine envers notre pays, fondée sur l'humilité, le respect et l'amitié entre les peuples. L'acte posé ce matin par l'ambassadeur de Chine au Bénin ne sera d'ailleurs pas le dernier. Le diplomate chinois trouvant cette marque d'attention une occasion idéale pour féliciter et encourager le mérite d'un travail bien fait au quotidien. Je suis venu. Pendant mon séjour ici, j'ai bien constaté ce changement. C'est un changement historique, un changement magnifique qui mérite des appréciations et aussi qui demande aussi l'accompagnement et le soutien venant du monde. C'est donc une bouffée d'oxygène qui vient redonner un nouveau souffle à Radio Cotonou. Par la voix de son directeur, le média promet de faire un usage efficient du matériel reçu. Nous avons exprimé le besoin. Nous avons chargé le maire de nous aider à aller à la quête de ces besoins-là. Dieu merci, aujourd'hui nous avons devant nous la preuve que des gens nous écoutent, des gens commencent à nous faire confiance et veulent nous voir faire davantage. Au rang des invités présents à cette cérémonie, de fidèles auditeurs de la radio qui se réjouissent du geste. Par moment, on constate qu'il y a des déficits. Donc aujourd'hui, on vient de constater qu'il y a eu remise de matériel qui fait défaut. Donc nous sommes contents, très heureux que Radio Cotonou a pu bénéficier de ces matériaux, de ces matériaux de travail. Né depuis 2 ans, Radio Cotonou participe à l'objectif de consolidation de la démocratie participative. Cette cérémonie a également été marquée par la remise de cadeaux symboliques aux 2 hôtes de marque de Radio Cotonou. Rappeler la contribution des vétérinaires non seulement à la santé des animaux, mais aussi leur participation importante dans les domaines de la santé publique humaine et environnementale. C'est l'objectif visé par la première édition des Journées vétérinaires du Bénin. Elles se sont tenues au Palais des Congrès à Cotonou pendant 5 jours. Initiée par l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin, cet événement est parrainé par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Voici le reportage. Instaurée en 2000 par l'Association mondiale vétérinaire, la Journée mondiale vétérinaire est célébrée pour la toute première fois au Bénin par les acteurs locaux. Au Palais des Congrès de Cotonou, ce jeudi 26 septembre 2024, les vétérinaires, chercheurs, étudiants, acteurs des organisations fêtières de l'élevage au Bénin ont pris le rendez-vous pour marquer l'événement. La journée vise la promotion du rôle de la profession dans la santé et le bien-être des animaux, des humains et des communautés du monde. L'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin, depuis quelques années, nourrissait l'envie d'avoir une célébration nationale de ces journées. Grâce au concours de toutes et de tous, nous avons l'honneur de célébrer aujourd'hui la première édition de cet événement que nous voulons périodique. Mesdames et messieurs, si nous avons l'honneur aujourd'hui d'être les témoins de la célébration de ces journées nationales, c'est grâce à l'engagement de tous les vétérinaires, de tous les paraprofessionnels vétérinaires et nos amis les éleveurs et propriétaires d'animaux. Le vétérinaire, un agent essentiel de santé au cœur de l'approche One Health. C'est le thème de cette première édition des Journées vétérinaires du Bénin. Cette rencontre sera marquée par plusieurs panels pour discuter des services vétérinaires et leurs enjeux au Bénin
l'état de la collaboration multisectorielle à travers la plateforme Une seule santé, la contribution des vétérinaires aux politiques gouvernementales, la problématique de la rage et une foire. Ces jours vous offriront, j'en suis convaincu, une belle tribune pour mieux faire connaître les services rendus par les vétérinaires de par les interventions dans les domaines de la santé animale, de la production animale, du contrôle des denrées alimentaires, de la formation et de la recherche. La santé de la population dépend de votre capacité à pratiquer une médecine vétérinaire qui soit éthique, transparente et dynamique. Trois jours sont consacrés à la célébration de l'événement dédié aux vétérinaires béninois. Moment idéal pour célébrer et mieux faire connaître la profession vétérinaire et le professionnel de la santé des animaux. Voilà qui boucle ce 13 heures au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon week-end à vous en compagnie de nos programmes.